Ah, le shotgun, il est là. Merci. Tiens. Oui. Ah. C'est l'incendie. Au revoir le ballon. Un énorme merci à tous mes soutiens et bienvenue à tous les nouveaux membres de la Supermax Family. Merci du fond du cœur. Hey, comment allez-vous les amis? Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Moi c'est Max et bienvenue dans mes délires. Quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour faire la suite de Death Park 2 sur PC. On va continuer l'aventure du clown, vous allez voir que je vais pas mal avancer et c'est cool. Mais avant de commencer à jouer, vous le savez, j'ai quelque chose à vous montrer. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce tapis de souris incroyable XXL RGB de chez Genesis. Je vous avais déjà parlé de cette marque quand je vous avais montré mon bureau. On continue le setup, ils m'ont envoyé d'autres produits qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Et là, on commence par le tapis de souris. Alors, ils font différentes tailles de tapis de souris. Ça, c'est leur plus grand. C'est le XXL Size Mousepad Boron 500 RGB. Et RGB parce qu'il s'allume tout autour. Il fait de la lumière, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est génial. Voici la boîte. Vous allez voir avec les produits de Genesis. Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est le soin du détail et l'aspect de la boîte, la qualité, ça fait vraiment premium quoi, c'est solide, il y a du scotch que j'ai prédécoupé, il y a toutes les informations ici, donc c'est une surface très douce, il y a du backlight de la lumière, une base en caoutchouc qui permet de bien adhérer au bureau, et il y a une protection au niveau des angles du tapis. À l'arrière, il y a toutes les spécifications, voilà, ça marche avec un port USB, on voit vraiment tous les détails, donc il y a de la gomme à l'arrière, c'est bon pour les souris laser optique, c'est de l'USB 2, le câble fait 1m80, 11 modes de lumière différents, et les dimensions c'est 800 mm par 300 mm par 4 mm d'épaisseur, donc il fait 80 cm de long. Il est vraiment très très grand. Et sur ce côté là vous avez la photo du tapis très très grand avec encore toutes les spécifications et la taille. Pour l'ouvrir c'est très simple, on enlève les deux scotch au dessus, on soulève la languette et on vient sortir le tapis. Ouh, et voilà, la boîte est vide. Voici le tapis bien emballé dans du plastique. Vraiment c'est une marque qui propose du matériel gaming de qualité avec un très très bon rapport qualité-prix. Je suis très étonné. Vous allez voir les autres objets que j'ai reçus. Attention, le câble est là. Oui, il y a le câble. Oh waouh, regardez le câble USB, il est vraiment tressé en nylon. C'est pas juste du pauvre plastique. Voilà, souci du détail. Qualité de fabrication, j'aime beaucoup. C'est très 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 appréciable. Bravo. Voici le tapis. Donc c'est du RGB flexible, hein, vous le voyez, parce que c'est... Oh là là, il est grand. Il est très très grand. Alors il y avait un petit truc ici. Ce sont des autocollants Genesis hein, que vous pouvez coller où vous voulez. Tapis de souris, il est très très grand hein. Wow, il est vraiment gigantesque. Il est très doux en aspect, j'aime beaucoup. Je sens que la souris va bien glisser. Ici vous avez eh bien le port ici de USB. Il faut mettre la prise USB ici avec le câble fourni et vous branchez ça à votre ordinateur ou où vous voulez d'ailleurs hein. Moi je vais brancher ça sur la prise USB de mon bureau parce que le bureau Genesis possède une prise USB. D'ailleurs on va aller installer tout de suite ça. C'est parti. Alors actuellement, je possède un tapis de souris Rockat que j'avais reçu dans le kit presse de Mafia. Et c'est un tapis de souris très sympathique, ma foi, il ressemble un peu au niveau de la texture. Mais il ne s'allume pas, non, il ne fait pas de la lumière. Bon, par contre, il était lui aussi très très grand. Il a fait son temps, il est temps de le changer. Donc c'est parti, j'installe l'autre. Et voilà, j'ai installé le nouveau tapis de souris Genesis. Vous le voyez, il va très bien avec le bureau Genesis également que je vous avais déjà montré. J'en suis complètement fan de ce bureau, il est trop trop top. Et vous voyez, la prise USB là va bien me servir. Il est temps maintenant de brancher eh bien le tapis de souris. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais je vais brancher mon tapis de souris. J'ai branché une partie du câble de ce côté-là, et maintenant je vais brancher l'autre partie du câble, eh bien, tout simplement oui, sur la prise USB qui se trouve juste ici, et normalement ça va fonctionner puisque le bureau me permet d'alimenter. Oui, ça fonctionne, regardez. Ouh, ça s'allume en vert. Alors, eh bien, pour changer ça, je pense qu'il faut appuyer sur le bouton, tout simplement. Vous voyez? Oh, là, ça passe d'une couleur à une autre. Et à mon avis, si je reste appuyé... Alors là, ça l'éteint. Ah non, là, ça fait des fonctions. Ça s'allume et ça s'éteint. Regardez tout seul. Oh, ça passe d'une couleur à une autre. Sympathique. Attendez, je vais éteindre la lumière, vous verrez mieux. Voilà, donc là, je suis pas complètement dans le noir. Mais vous voyez, ça éclaire quand même pas mal. C'est très sympa. Donc là, ça alterne les couleurs doucement. Si je rappuie, eh bien, ça fait différentes couleurs, vous voyez? En haut et en bas. Il y a plein de modes différents. Ouh, joli ça. Là, ça fait des couleurs fixes. Voilà. Et si je reste appuyé, ça l'éteint. Et si j'appuie, ça l'allume. Bien sûr, moi, vous connaissez mes goûts. Je vais mettre du bleu. Oui, du bleu.
J'adore le bleu. Et en même temps, regardez, je peux tout à fait prendre la télécommande de mon bureau et allumer, hop, le bureau en bleu pour me faire un setup tout bleu. J'adore. C'est bête, hein, mais c'est génial. Ah oui, on va tester la souris. La souris, la souris. Ouh, ouh, elle glisse parfaitement. Regardez, wouhou, youhou. Rien à dire sur ce tapis, très sympa. La lumière s'ajoute un petit côté plus sympathique. J'aime beaucoup, c'est génial. Merci Genesis. Je vous mets le lien vers ce tapis directement dans la barre d'infos. Et maintenant, il est temps de lancer le générique. Pour tous vos commentaires, et il est l'heure de lire 3 commentaires d'une vidéo précédente. Et les 3 commentaires du jour viennent de la vidéo So partie 2, hein, la suite du jeu. Vous avez beaucoup beaucoup aimé et c'est cool, j'adore cette série également. Le premier commentaire vient de Balouli Omar qui me dit: cela fait longtemps que je n'ai pas vu une vidéo de toi, d'ailleurs je la regarde actuellement. Oui, puisque tu laissais de commentaires, tu es toujours cool et optimiste à ce que je vois, continue Max. Et bien oui, merci beaucoup, hein, à toi et à tous ceux qui me connaissent d'avant, qui reviennent. Je sais qu'avec YouTube, les algorithmes, tout ça, c'est pas toujours évident, mais il y en a beaucoup qui reviennent sur ma chaîne et généralement vous me dites à chaque fois que ça fait plaisir de me retrouver, donc ça c'est cool. Et toujours optimiste évidemment, j'essaie de vous apporter de la joie, de la bonne humeur, donc merci pour ton commentaire. Il vient de Roblox Gamer 35 qui me dit: est-ce que tu pourrais faire le jeu Sponge Neighbor s'il te plaît, il est super bien. Eh bien écoute, je ne connais pas ce jeu mais j'irai voir, et s'il me plaît, si je vois qu'il est bien pour la chaîne et tout, bien je le ferai. Et d'ailleurs merci pour ta suggestion, et n'hésitez pas à me laisser plein de suggestions de jeux dans les commentaires si vous avez des jeux que vous aimeriez que je fasse, parce que je connais pas forcément tous les jeux. Je compte sur vous, merci. Et le troisième commentaire vient de Gucci Man qui me dit: j'ai toujours détesté les gens qui jouent à ce jeu car ils parlent pas, mais toi t'es vraiment mieux car t'es drôle et tu parles, merci pour tes vidéos. Et bien merci à toi, c'est vrai que moi mes gameplays, mes let's play, je les fais en parlant, en délirant, j'essaie de faire des blagues pour détendre l'atmosphère, hein, parce qu'un jeu comme ça, c'est pas forcément évident. Donc je suis content que ça te plaise et que ça vous plaise. N'hésitez pas d'ailleurs à laisser un commentaire dès maintenant ou à la fin de la vidéo si vous voulez être sélectionné pour une prochaine lecture de commentaires. Maintenant on va aller s'installer dans l'espace gaming pour retrouver la suite de Spark 2 avec le clown. Alors suivez-moi, let's go. Ouh, ça y est, je suis assis. Et l'ourson aussi, il est juste là. Il va faire son petit clown aujourd'hui. Mais surtout, c'est nous qui allons retrouver le clown psychopathe dans Death Park 2, la suite, sur PC. On avait fait le jeu sur téléphone, mais là, on refait le jeu sur PC. Il est beaucoup plus beau et il est plus intéressant. Bah voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. La dernière fois, on s'est arrêté à l'hôpital, je crois. Non, au cimetière, enfin, je sais plus. En tout cas, cette fois-ci, je vais récupérer le shotgun, hein, le fusil à pompe. On va continuer l'aventure sur PC. Vous, vous laissez dès maintenant un max de pouces bleus et vous m'accompagnez durant cette belle aventure de cauchemar. C'est parti. Ouh, on est dans l'écran d'accueil du jeu, il y a le clown qui parle, il est moche, les textures sur PC sont vraiment mieux faites, hein, que sur le téléphone, là il n'y a pas à dire, il est plus dégoûtant, luisant avec ses yeux, c'est bon, on y va, on joue, on reprend la partie où on s'est arrêté, donc à l'hôpital, super. Ok, alors est-ce qu'on peut jouer? Oui, on peut jouer avec la manette, j'avais oublié. Alors je prends la clé. Nous ne pouvons plus accepter le défunt. Notre cimetière est surpeuplé. Nous devons fermer l'entrée principale. Si vous avez besoin de me contacter, tatati tatata. Ok. J'ai la clé du cimetière. Ok, on peut sortir. Ah oui, c'est vrai que... Oh, oh ya, oh ya. Calmez-vous. Merci. On y va. Est-ce que je peux courir? Alors, c'est vrai que je peux courir, mais uniquement en utilisant le clavier. Ça, c'est mal fichu. Il n'y a pas de... Je peux m'accroupir. Ah, je peux recharger, ok. Ah. Mais il n'y a pas de touche pour courir. Oh oh. Ah. Non. Non. Je vous rappelle que je joue en mode normal, hein. Donc Ok, 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 c'est bon, on se calme, on se calme. On y va. Je ne peux pas courir sur la manette. Ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment ballot. Ah, ah, c'est ballot. Allez, il faut retourner au cimetière. Donc, je redescends. Hein, et je vais sortir. Ah. Ling, 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 ling. On y va. On sort par là. Dépêche-toi. Cours, cours, cours. Ok, il y avait des monstres derrière. Je les entendais. Hein. Ah bah oui, mais non, ils m'ont pas eu parce que j'ai couru au dernier moment. Alors, je n'ai que 2 armes pour l'instant. Allez, on y va. Je cours et je vais tenter d'aller au cimetière. Pour ceci, il faut retourner dans la partie de la ville de l'autre côté. Ah, il y a des monstres. Ah, il m'a vu. Oh là là, cours. Cours, petit. Bon, ça va, j'ai 4 trousses de soins. Allez, c'est par là. On va tout droit.
Oui, c'est par là. Le grillage est devant moi, liberté chérie. Merci. On est dans la deuxième, enfin plutôt première partie de la ville et on va aller dans le cimetière. Alors, le cimetière. Je crois qu'il est par là, mais attendez, hein. Je contourne les monstres, hein, si je peux économiser des balles. Allez, hop. Oui, 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 c'est bon. C'est bon, il m'a pas vu, le monstre. Mais il y en a d'autres là-bas. Attendez, c'est quoi? Ah, c'est là le cimetière. Oui! On a trouvé le cimetière, sauf que l'entrée, elle n'est pas là. C'est l'entrée qui est de l'autre côté. Par ici, voilà. Allez, hop. On y va. Oui! Oh non! C'est bon, on est au cimetière. On est là. Il faut absolument que je prenne le fusil à pompe cette fois-ci, hein. Donc c'est pas tout de suite. Ce sera dans la petite cabane là-bas. Vous savez, il y aura un mini-jeu à faire avec le clown. Alors il faut que je trouve la bonne tombe. C'est vrai que j'ai oublié la tombe. Alors attendez, on récupère déjà tout ce qu'on peut récupérer, hein. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, rien. Bon allez, on va dans la maisonnée. Alors attendez. Ça, c'est fermé. À clé. Je dois trouver la clé ici. Bonjour. Ah, là-dedans, peut-être. Attendez, on va y aller. Non, 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 non. Où est le prêtre? Je ne sais pas où est le prêtre. Ah, faut que je trouve la tombe du bonhomme, je crois. Sauf que j'ai pas la pelle. J'ai la pelle? Attendez. Ah non, faut que je trouve la... D'accord, c'est ça. Il faut que je trouve la bonne tombe. Ah! On dirait qu'il a été enterré ici, je dois le déterrer. Besoin de chercher une pelle, ok. Ah, cinématique, il y aura le ballon. Bonjour ballon. Vous savez ce que ça veut dire? Le ballon, on passe dans la dimension cauchemardesque. C'est parti. Bon, là il y a un mini-jeu. Il va falloir que j'active tous les trucs là. Vous voyez? Il y a un... Il faut que je mette ça sur les bons symboles à l'intérieur. Et bien sûr, il y aura le clown. Oui. Merci. Tu vas mourir maintenant. Sympa. Il est très sympa. Donc, le jaune, c'est le carré. Ok, prends ça. Le jaune, c'est le carré. Il faut que je récupère tous les trucs là. Ah, il m'a vu. Il m'a vu. Il m'a vu. Il m'a vu. Ok, bah cours. Heureusement, je peux courir. Allez, prends ça. Ok. On y va, on y va, on y va. Là-bas. Il faut que j'en récupère 4, je crois. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est 4. Allez, voilà. Je sais pas où il est juste derrière moi. Oui, là-bas, le quatrième. Jaune, carré, rouge, la feuille. Allez, prends-le. Voilà. Jaune, carré, rouge, la feuille. Alors. Ah, mais j'ai pas pris. Jaune, carré. Bon, après, je sais plus. Il faut que... J'ai pas eu le temps de prendre ça. Allez. Mais il prend pas. Il ne prend pas. J'ai pas le temps. Il est juste derrière moi, le clown. Comment je vais faire? Ok, ok. Je cours plus vite que lui, donc ça c'est bon. Du coup, on va faire le tour. Allez, on fonce. On fonce. On va récupérer le truc rouge. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Oui, 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 voilà. Allez, prends-le. Voilà, c'est bon, je l'ai. La feuille. C'est la feuille, le truc rouge. Voilà. Donc, la feuille. Le jaune, c'est le carré. Est-ce que c'est ça? Non? Alors, c'est ça. H pour un indice. Allusion. Mais c'était ça. Jaune. Ah non, le jaune, c'est ça. Non? Mais si, c'était ça. Non, c'est pas ça. Bon, le rouge, c'est ça. Le bleu, c'est ça. Le carré, c'est ça. Voilà. Non, faut que je fasse toutes les combinaisons. Ah, ça semble marcher. Oui. Oui. Oui, 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 oui. On a réussi. C'est un miracle de Noël. J'ai réussi, j'ai réussi. Ah, le shotgun, il est là. Celui que j'avais pas eu la dernière fois. Je l'ai cette fois, je l'ai. J'ai la pelle aussi, j'ai tout ce qu'il faut. Très bien. Bon, alors ça va mieux. Super. Il va y avoir des monstres. C'est pas grave. Moi, je suis équipé, hein. Alors, il faut que je déterre quelque part. Je sais plus où c'est.
C'est pas là. Attendez. Oui. La clé du coffre-fort du médecin. Sauf qu'il y a les monstres horribles qui ressemblent à des dinosaures. Ouais, mais moi j'ai un fusil à pompe. Bon, je vais m'en aller, comme ça je vais gagner un peu de... Enfin, je vais essayer de m'en aller. Ouh, là 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 là. Tiens, tiens. Oui. Très efficace cette arme. En plus j'ai plein de munitions. Bon, je vais quand même pas tout utiliser, hein. Je vais essayer de m'en aller. Oh oh, il m'a vu. Par. Ouais. On a réussi. Je crois que c'est pas mal finalement le fusil à pompe. J'ai bien fait de le récupérer. Bon, il faut que je retourne à... Mais non. Hein. Bon, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Parce que je voulais pas utiliser la munition de fusil à pompe sur lui, quoi. Vous voyez, vous voyez. Bon, il faut retourner à l'hôpital. Eh bien, c'est parti, on se retrouve à l'hôpital. Nous sommes de retour dans l'hôpital avec ça, là. Ok. Attendez, ça fait quoi sur eux, le fusil à pompe? Bonjour. Ouh. Pas mal, pas mal. Mais c'est tout? Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Oh. Il est sérieux, lui? Mais c'est parce que je vise mal ou quoi? Mais laisse-moi! Mais non! Ah! Non! Oh. Bon, heureusement, j'avais trouvé une trousse. Super! Bon, bah, je crois que l'arme la mieux adaptée pour eux, c'est la mitraillette. Hein. Allez, on va ouvrir le coffre du médecin. Et je sais plus ce qu'il y a dans le coffre du médecin. On y va. Tranquillement. On y va quand même en courant. Est-ce que les monstres reviennent à chaque fois? Ah bah oui. Super. Ah, il m'a frappé ce méchant. C'est où? Fermé à clé. Ah. Allez, c'est tout au bout du couloir. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Et youhou. Alors, le coffre. Il est... Il est où le coffre? Ah! Ça a permis de... Je me suis mis en mode sprint automatique. Je sais pas comment j'ai fait. Ah, c'est là. Ok. Là, et on a un pistolet d'injection. Et la carte clé, mais oui! Alors, on va sauvegarder quand même. Hein. Voilà, merci. Et je sais pas comment j'ai fait, mais... Ah non! Hein? Regardez, il suffit d'appuyer une fois et je cours. Oh, mais comme c'est pratique! Allez, on va utiliser la carte clé en bas pour déverrouiller l'autre partie de l'hôpital. Tac, 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 on avance beaucoup mieux. Hein. Bon, c'est vrai qu'on l'a fait une fois et avec la manette, c'est quand même plus agréable de jouer. Le jeu est quand même beaucoup plus joli hein, que sur smartphone. Hein. Là, il n'y a pas à dire. On est dans le hall de l'hôpital et on va utiliser la carte pour... Allez, là. Là. Oui. Et hop là. Oui. On va dans... Ah, on est toujours à l'hôpital. Ah oui, on va dans la morgue. Regardez. Oh, 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 bonjour. Bonjour, la morgue. Ah. Ah. Ok. Alors, j'ai plus beaucoup de munitions de ça. Donc, bah, écoutez, je prends ça. Hein. On verra bien. Fermé à clé, merci. C'est quoi, ça? La lame incendie est... D'accord. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a ça. Alors, mini-jeu, c'est parti. Il faut que je fasse. Comment je fais? Non. Alors attendez. Ah oui, d'accord. Ah non, attendez. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Youhou! Je sais plus du tout comment ça marche ce truc. Je vais essayer celui-là. Je sais plus du tout comment ça marche. C'est quoi ça? Attendez. Qu'est-ce qu'il a dit? 1, 2, 3, 4. D'accord. 1, 2, 3, 4. Facile! Il suffisait juste de regarder. Sauf qu'à mon avis, j'ai déclenché quelque chose. Ah, la porte se déverrouille en cas d'incendie, c'est vrai.
Donc, on va déclencher l'incendie avec le bouton juste là. Voilà. Hop. Super. Ling, 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 ling. C'est l'incendie. Et il y a le monstre qui dépasse de la porte. N'importe quoi. Bonjour. Oui. Allez, hop. Sans CV. Qu'est-ce qu'on a là? Munition. Merci, merci. On a la dose. J'ai combiné ça avec ça. Et maintenant, il faut que je... Ah, je retourne à la maison. Ok, c'est parti. Hop, on retourne à la maison de l'enfant. Et voilà, je suis de retour à la maison. J'emprunte la porte rouge. Je suis dans ma maisonnée. J'aimerais bien y rester d'ailleurs, ça serait sympathique. Mais bon, on y va. On va placer le vaccin à ma sœur. Voilà, petit chargement. Je suis de retour dans le tout premier niveau du jeu avec ma sœur. Et je vais lui injecter le vaccin. Youhou. Allez hop, tiens. Voilà. Cela ne la sauvera pas. Tu ne fais que prolonger le tourment de ta sœur. Ton esprit est complètement entre mes mains. Oupsie. Désolé. Qu'est-ce qui s'est passé? Très bientôt, elle abandonnera. Je la tuerai et ensuite je sortirai dans votre monde. Ne manquez pas ce spectacle, là. Super. Qu'est-ce qui se passe? Nous vous attendrons au Death Park. Tu te souviens où c'est, n'est-ce pas? Dépêchez-vous, chiot. Super, merci. Ah, ok. Dirigez-vous vers Death Park pour sauver votre sœur. Super, eh bien écoutez, on se retrouve au parc de la mort. Ouh, j'étais en train de me diriger vers le parc de la mort, il y a une cinématique. Ah, ok. Vous pouvez pas venir m'aider, non? Bon, on va voir ce qui se passe. Donc on y va, c'était tout droit par là. Ouh, le monstre, non, laisse-moi tranquille. Laisse-moi, laisse-moi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'incendie. Il y a l'incendie et il y aura le feu, je pourrais pas passer. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il faut aller par là. Ok, donc on est toujours dans la ville, mais dans une partie où on n'a pas été, ça a débloqué un passage. Alors, ici, nous avons ceci. Merci. Merci pour toutes ces munitions, je prends. Dis donc, il peut tenir... Il a des grandes poches, le gamin, parce que depuis tout à l'heure, il a plein d'armes, des munitions. Bon, c'est étrange. Je sauvegarde, bien évidemment. Oui, bon, bah voilà. Hein. Youhou. Ah, il m'a pas vu. Bon, enfin, il m'a vu, mais il m'a pas attrapé. Tant pis pour lui. Alors, hop, 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 hop. Ah, bah là, il va me... Voilà, 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 là, 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 là. Ouh, là, 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 vous êtes trop nombreux. Alors, attendez, je vais essayer de vous avoir avec ça, hein. Voilà. Voilà. Recharge. Voilà. Voilà, voilà. Plus qu'un. Oui! Ah, parce que j'avais quand même pas mal de munitions de pistolet. Faut s'en servir quand même, hein. Regardez-moi toutes ces petites araignées sympathiques. On apprécie beaucoup. Alors, le tuyau. Hop! J'ai le tuyau d'incendie. Peut-être qu'il faut juste que je le place là. Et que j'active ceci. Alors, il faut appuyer sur les boutons, vous savez, hein. J'ai réussi! Oui! Et bah maintenant, je vais pouvoir éteindre le feu! Oui, bravo petit! Il est très fort, il est très fort. Allez, c'est bon, on a vu. On y va. Ouh, c'est joli! Je passe par là. Je vais récupérer quelque chose. Alors attendez, on va essayer de faire quand même... Deux. Ah! Ah! Oui! Toutes les tours là. Vous voyez? Un, deux, trois. Ah! Voilà, ça. Je n'ai pas encore l'article. Ah, il faut des objets en plus. Super. Ok, ok, c'est pas grave. On récupère ceci. Là. Eh ben, j'ai besoin des pinces. Et qu'est-ce qu'il y a ici alors? Il n'y a rien. Mais il n'y a rien. Là, il n'y a rien. La voiture, il n'y a rien. Bah alors. Mais c'est plus ce qu'il faut faire. Par là, il y a quoi? Oui, bon, bah ça, je prends, merci. Le camion, il fait un dodo. Le camion fait dodo. Ok. Alors, attendez. Peut-être qu'il fallait que je récupère les pinces là-bas, c'est vrai. Près du Death Park. Là-bas, là-bas, là-bas. Donc, déjà, ici, il y a ça. Ensuite, il y a ça. Et là, je crois qu'il y a quelque chose, non? Il y a pas quelque chose ici? Oui, il y a les pinces. Merci. What? Je veux pas y aller, moi.
Il y a le ballon, il y a le ballon. Non. Au revoir le ballon. Je vais le... Faut que je suive le ballon. Ça fait quoi si je tire sur le ballon? Rien. C'est un ballon indestructible. Ok. Oh oui. Merci. Donc le ballon, il va par là. Bon, j'ai pas le temps pour tes bêtises, ballon, hein. Moi, j'ai une mission à faire, s'il te plaît. Donc je vais récupérer... Ah, il y a un truc qui brille, là. C'est quoi? Bah, ça brillait ici. J'ai pas rêvé. Bon, bah, j'ai rêvé. Le ballon est là, toujours. Ok, sympathique. On va là. On va dans les égouts, bien sûr. Après, si. Ça sent bon dans les égouts. Bonjour. Alors, il y a le plan. Ok. Trouver des tortues ninja, n'importe quoi. Donc. Hein? On va dans le mode des cauchemars. Ah! Non, c'est vrai, il y a lui. Il faut que j'active tous les trucs, là. Youhou, il est là, bah oui, bah... Il est là, Charlie. Hein. Alors, il faut que j'active... Ah! What? Déjà? Tu es mort! Mais il est sérieux, lui! Ah, je reprends de là. Super! Allez! On y va! Oui, oui, bon, on a déjà vu ça, merci! Oh, il est là! Mami, moumi, 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 il faut que j'active toutes les valves là. Il y en avait une ici. Voilà. Donc j'en ai fait une là-bas. Là-bas, 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 dans la forêt. Forêt. C'est là où c'est vert en fait, vous voyez. De deux, il faut que j'en fasse un troisième. Non, celui-là je l'ai fait. Là. Troisième. Allez, voilà, normalement c'est bon. Normalement j'ai dit. Oui. Vite. Oui. Bye bye. Cours, cours, tu ne peux pas te cacher. Je serais mieux de vérifier comment va ta sœur. Ah, ah. Mais quel rageux ce clown. C'est pas possible. Bah tant pis, t'as raté, hein. T'es dégoûté, t'es... c'est tout, hein. Méchant clown. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il y a ça. Hop là. Voilà. Bah. Ça marche pas. Bah oui, mais... Ah, mais si, attendez. Je passe là. Qu'est-ce que c'est? Ah! Attendez. Et maintenant, j'active l'eau. Non? Je ne comprends pas. Ah, bah oui, d'accord. Il faut que je ferme là. Allez, ferme là. Et active l'eau là. Voilà. C'est facile, en fait. Faut juste réfléchir à un tantinet, soit peu. Voilà, merci, bonsoir. Hop. Hop. Et voilà. On a gagné. Super. Je vais par là. Je vais par là. Je vais par là. Cours un peu, s'il te plaît. Il est temps de laver la culotte. Qu'est-ce que c'est? Ah! C'est bon, je l'ai eu! Ok, ok, il y en a un autre qui veut se fighter avec ma mitraillette. D'ailleurs, quelle est l'arme préférée? Non, attendez. Quelle est l'ami préférée des bandes... Non. J'ai oublié la blague. Quelle est la mamie préférée des bandits? La mamitraillette? Je sais pas si c'est ça la blague. Ok. Alors, le début d'une blague. C'est un mec qui entre dans un... C'est un mec qui entre dans un café. Et plouf! Parce qu'il rentre vraiment dans le café, vous voyez ce que je veux dire? Oh. Eh, vous savez quel est le bruit d'un poussin de 200 kilos? Piou, piou. Elle est rigolote cette blague. Ah! Qui a fait rureux là?
Prends ça. Ah, c'est bon là. Pas le temps pour tes bêtises. Voilà. On sauvegarde. On arrête là. Bon, bien écoutez, je pensais qu'on allait terminer le jeu aujourd'hui, mais non, ça s'est terminé en blague pourrie, mais c'est pas grave. On continuera donc dans la prochaine vidéo sur Death Park 2, ce sera la dernière, je pense, cette fois-ci. Alors, n'oubliez pas de laisser dans les commentaires plein de jolis messages, et dites-moi si vous voulez qu'on fasse la suite, laissez plein de jolis pouces bleus, et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et partagez cette vidéo au moins l'un de vos amis pour faire grandir la Max Family. Merci à tous, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!